Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens cette semaine avec une petite capsule vidéo dans laquelle je vous donne un second truc pour ne pas perdre patience avec les enfants, surtout face à une problématique récurrente, une situation qui revient tous les jours, tout le temps. C'est la même chose. On a le temps de l'appréhender, on la sent venir. Le comportement qu'on veut pas arrive et on est déjà fâché. Donc, comment conserver notre patience? J'avais déjà fait une petite capsule vidéo l'année passée ou même peut-être il y a 2 ans, mais je trouvais qu'il manquait un petit truc pratique là, parce que c'est beau s'ancrer dans la terre. Après ça, je fais quoi? Je vais vous en parler. Donc, la première chose, je pense, qui est importante, c'est de prendre conscience du fait qu'on a une problématique récurrente. Si on n'en prend pas conscience, on ne peut pas régler le problème. Donc, juste de se dire, je vis cette même situation-là tous les jours, il faut que je trouve une solution. Parce que là, ça ne fonctionne pas. Je fais juste toujours réagir sous l'influence de la colère et ça fait des interventions que j'aime pas. Je me sens pas bien parce que j'aime pas être fâchée. Je me sens coupable parce que je sais que j'ai mal intervenu et l'enfant, lui, va peut-être se sentir insécure parce que dès qu'il fait un comportement négatif, ben, il y a une réaction super explosive. T'sais? C'est comme surprenant quasiment pour lui qui teste les limites clairement. Donc, moi, une problématique qui vient vraiment me chercher ces temps-ci, pas mal toutes les années, j'ai des petites passes comme ça, les enfants qui lancent leur nourriture par terre, ils lancent leur bol par terre, ils lancent leur cuillère par terre, ils lancent leur gobelet par terre, tout et par terre et ça vient me fâcher. Donc moi là, j'arrive au dîner puis j'appréhende ça. J'appréhende le moment où il y a quelqu'un qui va oser lancer sa cuillère à terre. Donc je vais réagir super frustrée, tu sais, oh non, 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 on fait pas ça. C'est vraiment comme ça que je vais intervenir. Qu'est-ce que j'apporte à l'enfant? Pas grand-chose, tu sais. Le truc que j'ai développé, c'est de me créer une phrase clé. Donc, je vais penser à la situation. Je vais décider de quelle façon j'ai envie d'intervenir. Je vais me l'écrire vraiment mot pour mot. Il faut que ça soit une courte phrase, là, pas un gros paragraphe. Puis, je vais la pratiquer. Donc, je vais vraiment, là, je vais la lire, la relire souvent pour être prête à la sortir. Puis que quand la situation arrive, donc là, je vis ma vie, je mange mon dîner, je me retourne, un enfant lance sa cuillère à terre, ou si je pourrais dire garoche sa cuillère à terre, je vais essayer de développer l'instinct à tout de suite utiliser ma phrase clé. Donc, peu importe quelle émotion je suis en train de vivre, mes mots vont sortir automatiquement, ou en tout cas, c'est ce que je veux, c'est ce que je recherche. Je veux vraiment créer une espèce d'automatisme. Je me retourne, puis si je prends comme exemple l'enfant qui lance quelque chose par terre, la phrase clé que j'avais développée, c'est « Te lancer ta cuillère parce que t'as terminé de manger? Si t'as terminé, donne ta cuillère dans la main. » Et là, je vais prendre la cuillère, je lui donne et je dis « Allez, donne dans ma main. » Et il va me la redonner dans ma main avec un grand sourire parce qu'il est donc heureux de ce qui est en train de se passer. Mais le comportement finit toujours à toutes les années par disparaître. Donc, je développe vraiment un automatisme. Puis l'enfant aussi se dit « Bon, à chaque fois que je lance ma cuillère par terre, elle me répète la même phrase, elle me donne ma cuillère dans ma main. » Puis j'y redonne. Ça finit là. Donc, l'enfant finit par comprendre la situation. Il n'a plus besoin de la vivre à un certain point. Il va trouver une autre façon de nous tester, de tester nos réactions et de tester comment ça marche dans la vie, les relations sociales. Mais c'est ça, j'essaie vraiment de me créer un automatisme. Donc, cette phrase-là, je la connais par cœur. Je l'ai répétée tellement de fois. « Te lancer ta cuillère parce que tu as terminé de manger? » Quand on est terminé, on donne la cuillère dans la main. Je peux vous la répéter 1000 fois. Je connais les mots. C'est ça, ma phrase. Et à chaque fois que je vais vivre une situation frustrante, une problématique récurrente, je vais me créer une phrase clé. C'est sûr qu'en tant qu'éducatrice, on ne peut pas avoir, puis même en tant que parent, on ne peut pas se créer 70 phrases clés pour les 70 problèmes qu'on vit dans notre vie. Il faut vraiment y aller un à la fois parce que sinon c'est pour nous, c'est impossible de toujours s'en souvenir. Mais c'est ça, on vit une problématique, un enfant qui commence à faire des morsures ou des gestes agressifs, peu importe, je me développe une phrase clé parce que je ne veux pas intervenir dans ma frustration. Ça ne sert à rien, l'enfant ne va probablement rien retenir de mon intervention, ne va rien apprendre de mon intervention, puis moi, je vais me sentir mal parce que j'ai mal intervenu. Vous comprenez le principe, j'essaie juste de donner des petits exemples. Donc, c'est vraiment ça, en fait, c'est de se créer des phrases clés pour essayer de prendre, d'enlever notre émotion de l'intervention et de juste faire l'intervention telle qu'on l'a prévu, telle qu'on l'a pensé.
C'est pas mal ça mon truc des phrases clés. Si ça vous intéresse, on peut se partager nos phrases clés. Des fois, ça peut vraiment aider, tu sais, de dire « Ah, moi, je vis telle problématique avec un enfant, voici ma phrase clé. » Ça peut tellement nous aider. Donc, voilà. Et si vous voulez un autre truc pour être patient et patiente avec les enfants, j'avais fait ma capsule vidéo qui s'appelle « Comment ne pas perdre patience avec un enfant » qui est sur la métaphore de l'arbre et de se « grounder » et de respirer, et d'être solide et de ne reculer devant rien. Et j'ai aussi la vidéo « Intervenir comme une éducatrice » qui parle de la démarche accès en fait de Rosine Deschênes et qui peut nous aider à créer nos phrases clés. Donc voilà! Bonne journée!